Cette soirée était un peu trop agitée à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps. Naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non, je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Reposez-vous, mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour. C'était quoi? Ton arc. Je peux entrer ? J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie. Oh. Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. J'aurais pu le dire avant que je serve. Que fais-tu là? Moi, je suis venu par courtoisie. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas. Tu es une personne calme et raisonnable. Quand la situation l'exige, je sais être calme. Je crois que le moment est bien choisi. Ouais. Tu sais qui je suis. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus.
plutôt regrettable. Mais je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Bon, ce que tu as fait à ses fils... légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, ils n'étaient vraiment bons à rien. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis ? Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus. Qu'est-ce que tu veux ? La paix, ça te tente ? Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repenti, si on ne s'entretuait pas pour changer ? Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Oui. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. J'ai compris ? Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Eh oui, je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole ? As-tu jamais tenu une seule promesse ? Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Où est-ce qu'il en reste ? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment ! C'est quoi ces inepties ? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez ? Ne comprend-elle pas que l'on cherche la même chose ? Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya, et comme cela, ta progéniture... est protégé. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas ? Alors, qu'en penses-tu ? Ne traîne pas trop. Enfin. J'attendais ce moment. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les têtes de sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Sois-là. Ça, c'était pour battu. Maintenant, montre-moi ce cœur de Dieu dont tu vas en parler. Je ne voulais pas que tu te combats avec ton frère. Ce n'est pas mon problème. Commencez en face. Connais mon passé, l'histoire du fantôme de Sparte. Alors tu sais ce dont je suis capable. Montre-moi. Enfin un peu d'action.
J'espérais voir tes lames. Elles ne répondent pas quand tu les appelles. Tu m'insultes en te retenant de la sorte. Comment as-tu pu devenir dieu de la guerre? Tu ne sers à rien! Tu bafoues la mémoire de mes fils! Je n'arrive pas à croire que tu les aies vaincus! Ça, c'est pour ma vie! Désolé pour ta statue, Tyr. Vieux moralisateur. Rien de tel que d'attaquer son adversaire. Défie son portée le premier coup. Viens. Tu es censé être plus fort. Ça ne marche pas comme ça. Tu es un destructeur comme moi. Non. Je décide quand c'est fini. Je ne partirai pas avant d'avoir vu qui tu es vraiment. Debout! Sifun, reine des Valkyries.
sale, tu es étourgé qui a pas pu battre. Le voilà. Voilà le dieu de la guerre. Tu viens de payer ta dette de sang. On se reverra. Je t'avais dit qu'il s'en sortirait. Kratos, c'est Sindri et Brock. Tu parles d'un combat? Peut-on... Chez moi, vite! Odin est avec Atreus. Oh non. Je prépare vite un accès mystique. Allez, viens. C'est pas très loin.